Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler sujet écoute, monitoring de radio. Donc sujet de la vidéo, votre réseau est-il écoutable? Comment monitorer, écouter son réseau avec DSD? DSD est un petit logiciel open source que j'ai repris, on va en parler tout de suite. Commençons. À qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, en fait, à tous ceux qui possèdent, installent ou possèdent un réseau radio, qu'ils les programment ou non, ça peut servir aux deux. Un propriétaire ou exploitant, service d'urgence, dépanneur, transport en commun, sécurité privée, dépendantiel, AS également, ce qu'on appelle les associations agréées de sécurité civile, qui utilisent beaucoup les réseaux radio, Croix-Rouge, Protection civile, Ordre de Malte, Centre français du secourisme, etc., etc. Et cette vidéo, elle peut également avoir un intérêt pour tous ceux qui s'intéressent à la cybersécurité, monitoring, surveillance de spectre, donc organisme avec un grand O. On rentre dans le vif du sujet. Pourquoi monitorer son réseau quand on en possède un ou quand on est installateur et qu'on programme des postes pour un client? Eh bien, déjà, le monitoring, ça permet de surveiller de façon, surveillance générale du réseau. Les pannes, les bugs, s'il y a des brouillages, si le réseau fonctionne bien, fonctionne pas bien. C'est un dispositif qui va vraiment permettre de faire un état des lieux, un statut, donner un statut de l'état du réseau. Ça peut également permettre de tracer les communications. Si vous êtes par exemple une police municipale ou des associations agréées de sécurité civile et que vous participez à des gardes pour le SAMU ou pour les pompiers comme ça se fait en Île-de-France, c'est hyper important de tracer les communications. Qui a dit quoi à quel moment? S'il y a des bilans qui sont passés, s'il y a des points de situation, ça c'est important qu'on puisse vérifier a posteriori qu'il n'y ait pas eu de problème si jamais il y a un litige. Ça permet de faire également des statistiques d'usage. Si vous avez un réseau trunk, par exemple, un réseau à ressources partagées, ça permet de voir si le réseau il n'est pas un peu sous-dimensionné, s'il ne faudrait pas rajouter un canal en plus avec une fréquence en plus, ou au contraire sous-dimensionné, si on ne peut pas rendre une fréquence et se contenter d'une de moins. Voilà, statistiques en général. Et enfin, un aspect juridique qui rejoint un petit peu ce que j'avais dit en point numéro 2, le traçage des communications. En cas de litige, tout simplement, permettre de faire une enquête a posteriori et de réécouter ce qui s'est passé. Voilà, grosso modo, l'intérêt de monitorer. Tout de suite, je vais vous parler de DSD, qui est un logiciel que j'ai repris, qui va permettre, pour ceux qui le souhaitent, de monitorer leur propre réseau. Alors, DSD, qu'est-ce que ça veut dire? DSD, déjà, c'est un acronyme un peu barbare qui veut dire Digital Speech Decoder. C'est une solution open source qui tourne à la fois sous Windows et sous Linux, qui va permettre à partir d'une clé USB SDR ou d'un dispositif SDR quelconque et d'un ordinateur, ou un Raspberry Pi, etc. Enfin, un dispositif un micro-ordinateur, tout simplement, de décoder, d'enregistrer ce qui se passe et d'écouter ce qui se passe. Voilà. C'est un logiciel qui est open source, on va en parler tout de suite. Et c'est un logiciel qui ne nécessite aucune modification sur le réseau. C'est-à-dire, ceux qui veulent monitorer leur propre réseau en utilisant cette solution, il faut juste une solution avec une clé SDR, une antenne, donc se mettre à portée du réseau pas trop loin, et un dispositif avec un ordinateur pour décoder le tout. Alors, quel réseau est-ce que je vais pouvoir monitorer avec DSD? DSD, il est capable de décoder un certain nombre de protocoles, pas tous, c'est une solution que j'ai portée, que j'ai améliorée, mais qui n'est pas complet, qui ne fait pas tout. Donc vous allez pouvoir monitorer les réseaux DMR, Motorola ou Terra par exemple, tous ceux qui disent du DMR, du DPMR également, du NXDN, de l'APCO P25 phase 1. Il faut savoir que le P25 qui est très largement déployé aux États-Unis, il y a deux types de normes, il y a la phase 1 et la phase 2 qui sont une en FDMA, l'autre en TDMA. Donc DSD, la version initiale était en phase 1, a été codée, enfin capable de décoder le P25 phase 1. Pas le phase 2. Vous allez également pouvoir décoder du D-Star, bon ça c'est plus des réseaux radioamateurs, et du ProVoice. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais entendu parler de ProVoice, je ne sais pas où est-ce qu'on en trouve. Bon, toujours dit qu'il est capable de le faire. Alors DSD, comment il se présente? Je vais vous faire une petite démo tout de suite, mais en fait, c'est pas hyper sexe, c'est juste une application console qui va s'exécuter sur un écran noir et blanc. Ça, c'est l'application de base. Derrière, il peut être modifié et on va pouvoir tracer, si on veut, enregistrement des fichiers dans des bases de données, enregistrer les conversations. DSD peut être fait, peut être modifié à souhait. Je vous fais tout de suite une petite démo, comment il marche. Vous trouverez d'ailleurs sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, d'autres vidéos de DSD. Je vous mettrai les liens en description sur comment l'utiliser. Vous verrez, il y a 4 tutoriels, on va en parler à la fin. Et vous allez pouvoir voir, vous amuser à le télécharger, à recompiler vous-même, etc., et voir comment il fonctionne. Donc DSD, comment il marche?
Et là, pour la petite démo, je m'appuie sur une clé USB qu'on trouve ici, là, donc une clé USB SDR. J'ai pas mis d'antenne hein, parce que j'ai un poste juste à côté et un poste clé USB, pardon, SDR, pas une XDN, clé USB SDR. Et là, je vais utiliser un poste ICOM qui est en XDN et on va pouvoir monitorer tout. Donc, vous voyez, j'ai lancé SDR Sharp. Alors, SDR Sharp est une solution qui est pas open source, mais qui est gratuite, qui permet d'utiliser des logiciels SDR. Il y en a plein sur le marché. Open source ou pas, gratuit ou pas, qui permettent de, à partir d'une, enfin de décoder simplement le flux d'une clé USB SDR comme ceci. Et ensuite, une fois que vous avez un logiciel SDR, lui, il est chargé de décoder la partie signal et vous envoyez le signal à DSD. Et DSD, lui, que je lance dans une console. Alors attendez que je retrouve juste. Hop, tac. Voilà. Donc DSD, en fait, là, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une application console qu'on appelle Cygwin. Pour ceux qui ne connaissent pas Cygwin, Cygwin, c'est un espèce d'émulateur qui permet de faire tourner, en gros, du Linux sur du Windows. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, mais c'est un espèce de pseudo-émulateur. Donc DSD a été conçu à la base pour tourner dans une application console Linux, et moi, pour pouvoir l'utiliser sous Windows, ben, j'utilise une couche d'interface supplémentaire qu'on appelle Cygwin, qui est ici. Là, il est lancé. Vous ne le voyez pas forcément. On y va, c'est parti. Par exemple, je vais vous faire un test là. Donc, vous avez branché votre antenne, vous avez votre réseau qui fonctionne, et puis bah, vous allez pouvoir entendre tout ce qui se passe sur votre réseau. Par exemple, là. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je ne sais pas si vous entendez bien, mais il y a DSD qui parle derrière. Donc, hop, je vais couper. Avec DSD, vous allez pouvoir voir tout ce qui passe. Là, on voit qui va parler, on voit que c'est du NXDN, on voit pas mal d'informations, pas mal de données réseau, ce qu'on appelle le signaling dans notre jargon. Et vous allez également pouvoir entendre l'audio. Donc ça, c'est vraiment une base qui permet simplement d'écouter l'audio et de voir dans la console ce qui passe. Et derrière, libre à vous, si vous voulez, je vais vous montrer l'endroit où on peut trouver le code source. Libre à vous de le modifier pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être enregistré dans des fichiers, tracé ou redaté, etc., etc. Je retourne sur le PowerPoint. Voilà, donc là, l'application console. Si vous avez envie de l'essayer, allez, voilà. Si vous avez envie d'essayer DSD, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Vous allez pouvoir le télécharger. Donc, vous allez pouvoir avoir accès au code source. Le code source se trouve sur GitHub. Pour ceux qui ne connaissent pas GitHub, c'est une base de données qui contient plein de dépôts avec plein de codes sources de plein de personnes différentes. Moi, je me suis créé un compte, Louis-Éric Hervé, sur GitHub. Et là-dessus, vous allez pouvoir trouver DSD en téléchargement. Je vais vous montrer. Et pour ceux qui ne veulent pas utiliser les sources et qui voudraient utiliser directement DSD sans avoir à se préoccuper de le compiler, parce que là, vous avez les sources, il faut tout compiler, il faut installer Cygwin ou installer Linux. Et ben vous allez pouvoir trouver sur mon site internet, sur ingenisup.fr, partie DSD, vous allez pouvoir trouver des zips qui vont permettre d'utiliser DSD directement, puisque vous allez trouver le code source compilé avec toutes les DLL de Cygwin. Donc vous avez juste à lancer un fichier batch, un script, pour pouvoir utiliser DSD. Je vous mettrai également des liens sous les vidéos, comme je vous ai dit, avec un tutoriel de 4 vidéos sur comment l'utiliser, comment le compiler. Ils sont déjà sur la chaîne YouTube, hein, en ligne depuis bientôt un an. Voilà, je vais juste vous montrer tout de suite le dépôt GitHub et mon site internet. On y va. Tac. Alors, le dépôt GitHub, pour y accéder, bah, en fait, vous avez juste à taper, si vous ne connaissez pas l'adresse, normalement, vous tapez GitHub Louis Éric Hervé. Hop, et sur les liens Google, moi par exemple, c'est le premier lien de ma page. Vous allez très vite tomber sur mon GitHub. Voilà, mon GitHub avec ma photo. Vous reconnaissez ma gueule. Et il y a deux dépôts, DSD et nvlib. Je ne sais pas si je peux zoomer. Voilà, ça, vous devriez voir mieux là, comme ça. DSD ici, vous cliquez sur DSD. Et là, vous allez avoir accès à tout le code source, un descriptif, comment recompiler, etc. etc. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, vous allez directement sur mon site internet. Hop, je vais zoomer. Donc, vous tapez Ingenisup, hein, c'est le nom de ma société, mais également de mon site internet. Vous êtes tombé sur l'accueil, hein, on passe l'accueil. Et surtout, ce qui vous intéresse, c'est dans le menu en haut, là, vous allez avoir un onglet, hop, un onglet DSD. Vous allez là-dedans, c'est une page sur laquelle j'explique ce que c'est DSD, comment ça marche, les sources, comment recompiler vous-même. Je remets les vidéos
les liens vers les vidéos. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver ici des liens, des zips à télécharger. Alors, je garantis que les zips, ils sont sans virus. Hein. Ils sont un petit peu volumineux, tout simplement parce qu'ils intègrent toutes les DLL, tout l'environnement Cygwin. Ça vous évite d'installer Cygwin avec tous les packages, toutes les dépendances. Il faut juste télécharger le zip, éditer le petit script .bat à l'intérieur, lancer son SDR et ça se fait tout seul. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Voilà, je reviens sur le PowerPoint. Tac. Donc, tout ça, je vous remettrai tous les liens en description sous les vidéos. Alors, DSD, vous allez me dire, qui peut écouter mon réseau? Parce que finalement, c'est une solution open source. Et oui, c'est vrai, n'importe qui peut accéder au open source, n'importe qui peut le recompiler, n'importe qui peut s'acheter une clé USB à titre d'exemple. Ça vaut entre celle-ci vaut 40 euros, mais de base, on trouve des clés à 20 euros. Quoi. À partir de 20 euros, on est capable d'écouter un réseau. Et bien en fait, si votre chiffrement est désactivé sur votre réseau, tout le monde va pouvoir l'écouter. Que ce soit cette solution ou d'autres solutions, il y en a d'autres, j'en parle à la fin de la vidéo, tout le monde va pouvoir l'écouter. En revanche, si votre chiffrement est activé, avec DSD, la version open source, personne ne pourra le monitorer. Personne ou presque. Je vous presse parce qu'il y a des organismes qui savent le faire. Moi, je possède une version de DSD, par exemple, qui est capable de monitorer un certain nombre de réseaux chiffrés, que je ne diffuserai pas, qui n'est pas à vendre non plus, je vais en parler juste après, mais qui permet de monitorer certains réseaux chiffrés. Et je vous renvoie, du coup, pour savoir, entre ceux qui utilisent un réseau numérique chiffré ou un réseau numérique non chiffré, je vous renvoie à mes différentes vidéos sur la cryptographie, NXDN, DMR, etc., que vous trouvez sur cette chaîne YouTube. Est-ce que je vais pouvoir écouter, du coup, ça répond un peu, on a déjà répondu à la question, qui va pouvoir écouter mon réseau si le chiffrement est désactivé, personne. Si le chiffrement est désactivé, tout le monde. Si le chiffrement est activé, personne ou presque. Donc, est-ce que maintenant vous dites, bon, moi j'ai un réseau, d'accord, j'aimerais pouvoir le monitorer, il est chiffré. Est-ce que je vais pouvoir le décoder? Est-ce que je vais pouvoir le déchiffrer, sachant que je connais ma clé, je connais mon dispositif et je veux surtout pouvoir écouter les conversations? Dans la version publique, non. Vous n'allez pas pouvoir. Clairement, vous n'allez pas pouvoir. Maintenant, moi, ce que je peux proposer, c'est pas à la vente mon logiciel, comme je vous ai dit. En revanche, je peux vous proposer du développement logiciel spécifique pour que vous puissiez décoder votre propre réseau avec vos propres clés. Là, oui, c'est tout à fait possible. Je peux faire une démo possible sur demande. Je vais d'ailleurs faire une toute petite démo rapide sur cette vidéo. Pour ceux qui voudraient monitorer un réseau qui est chiffré, par exemple, avec la version publique de DSD, je cherche ma souris. Hop. Pour ceux qui chercheraient à monitorer, donc comme j'ai dit, un réseau qui serait chiffré, vous n'allez pas entendre. Vous allez entendre n'importe quoi. Par exemple, là, je vais faire un petit essai. Je vais passer sur, je vais activer le scrambler numéro 1, dans le Posticom. Et on va voir que. Alors, je refais l'essai. Quand je suis en clair, déjà, donc là, test en clair, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche très bien. Et dès que j'active le scrambler, vous allez entendre n'importe quoi. Donc, vous n'allez pas pouvoir monitorer. Test avec le scrambler numéro 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais en fait, le son est complètement en tant que... On n'entend rien du tout. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est un développement spécifique. Exemple, qui fait que quand vous allez activer le chiffrement, vous allez quand même pouvoir monitorer. Là, je vous refais la même démo. Je n'ai pas changé de canal. Je suis avec le scrambler. Et ce coup-ci, test avec le scrambler numéro 1. C'est bon, le scrambler numéro 1, ça passe en 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et là, vous allez pouvoir voir, par exemple, ici, je ne sais pas si on le voit dans les vidéos, mais là, il y a marqué scrambler. Je ne peux pas zoomer, je suis désolé. Donc, par rapport au monitoring précédent, voilà, en clair, il n'y a pas de scrambler. Quand il y a un scrambler, c'est affiché, etc. Donc, vous allez pouvoir bénéficier, pour ceux qui le souhaitent, vous me contactez, développement logiciel spécifique sur demande, et là, vous allez pouvoir monitorer votre réseau chiffré, les conversations et également tout ce qui passe. Les TG, ce qu'on appelle les talk groups, sur quel numéro qui a parlé, quel numéro de radio, etc. Vous allez pouvoir tout tracer ou redater. Voilà. Est-ce qu'il existe maintenant d'autres solutions de monitoring? Je vais faire vite parce que je vois que le temps passe. Est-ce qu'il existe d'autres solutions de monitoring? Oui. Vous allez pouvoir trouver d'autres solutions concurrentes. Il y en a une qui s'appelle DSD+. C'est une base de DSD qui était open source, qui a été reprise par des Américains, considérablement améliorée,
et surtout qui est passé en source fermée. Vous tapez DSDBlue sur Internet, vous allez trouver cette solution. Ils le vendent en gratuit. Il y a deux versions. Il y a une version gratuite et une version payante. Vous pouvez l'essayer. Elle est hyper performante. Elle a vraiment un avantage. Elle est beaucoup plus sensible par rapport à DSD. Elle est capable de décoder des signaux beaucoup mieux. Et surtout, il y a plus de fonctionnalités dedans. Il décode de la voix, il décode pas mal de data, des positions GPS, des trucs comme ça vous pouvez l'essayer. Est-ce qu'il y a encore une fois une autre solution? Teliv, solution open source cette fois-ci qui permet de monitorer du Tetra. Là, on n'en a pas parlé, mais moi, dans DSD actuellement, je ne décode pas de Tetra. Ça n'a pas été implémenté et je pense que ça ne le sera pas. Donc, Tetra Live Decoder, WinTeliv, il y a plein de solutions qui tournent sous Linux ou sous Windows. Vous cherchez Telive sur Google, vous devrez trouver votre bonheur. Une autre solution aussi, open source, TetraPolKit. Alors, TetraPolKit, ça permet de monitorer des réseaux Tetrapol, utilisés en France, par exemple, par tout ce qui est police, pompiers, SAMU. Ça permet de monitorer en priorité tout ce qui est data qui passe, mais également, si on y ajoute un vocodeur, on peut écouter de la voix. Moi, j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Et ensuite, les deux dernières solutions, Wavecom WCode, c'est une solution payante, une solution qui est assez coûteuse d'ailleurs, si je me trompe pas, je ne sais pas combien elle coûte, mais qui est une solution professionnelle payante qui permet de décoder beaucoup de choses. Et Decodio, pareil. J'ai essayé Wavecom, ça marche assez bien. Decodio, j'ai jamais essayé. Il y a sûrement d'autres solutions qui existent sur le marché, c'est pour ça que j'ai mis, etc. Le petit mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez les liens en description pour télécharger tout ce que vous voulez, le DSD si vous souhaitez l'écouter, si vous souhaitez l'essayer, les sources, etc., etc. Je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Louis Rigervé. Dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique. Je travaille à mon compte. Je suis également passionné de radiocommunication. Ça, je pense que si vous me suivez sur cette chaîne, vous l'aurez compris. Radio amateur à mes heures perdues. Et j'ai monté ma société qui s'appelle Ingénisup. Si vous souhaitez en savoir plus, vous allez sur www.ingenisup.fr. C'est là d'ailleurs que vous pourrez également télécharger DSD, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si certains sont intéressés pour de la prestation logicielle, pour bénéficier de monitoring, pour permettre, leur permettre de monitorer des réseaux qui leur appartiennent, qui sont chiffrés, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, là-dessus, sachez que je suis très sélectif. Je ne réponds qu'aux professionnels. Hein, professionnels qui sont dans le secteur, donc soit qui ont un réseau radio, soit qui sont dans la cybersécu, soit qui sont dans les radiocoms, l'électronique, un lien avec les radiocoms. Je privilégie une approche par LinkedIn, je ne répondrai pas forcément sur mon formulaire de contact ou par téléphone. Quand je ne connais pas un numéro en ce moment, je ne décroche pas, j'ai pas mal d'appels pour tout un tas de choses. Donc privilégiez vraiment une approche par LinkedIn. Si possible, soyez responsable, c'est-à-dire que moi j'aime bien traiter que les responsables, celui qui signe le chèque grosso modo. Et également, je vous informe que sur une prestation comme ça, on n'est pas dans les prix du marché d'un développeur classique, on est sur des tarifs tickets d'entrée à 5 chiffres qui peuvent monter à 6, 7 chiffres. Voilà, je préfère que vous le sachiez. Si vous souhaitez un développement spécifique là-dessus, ce sera vraiment... ça se paye, ce ne sera pas gratuit. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos sur les radiocommunications. Allez, ciao!